Le Guadabaque 118 prend ses responsabilités. Il tue dans l'œuf toute velléité d'attaque. Le mode d'emploi, simple. Un rythme soutenu en tête de course, soit avec José Chacón, comme ici, soit avec Adam Persga. Et cela permet à Boris Karen de rester bien calé dans les roues, effectuant l'effort minimum. Au sommet de Gommiers, Miguel Ubeto rafle les 10 points du GPN devant l'Américain Newberry. Et dans la plaine, retour à la configuration initiale. Cette fois, c'est Adam Persga qui donne le tempo. Dans les toboggans qui mènent vers Ferry-la-Coque, attaque de Willy Roseau. Willy est en verve. Karen accuse le coup à cet instant. Mais le Martiniquais est rapidement pris en chasse par Miguel Ubeto. Andrés Newberry des États-Unis d'Amérique s'accroche au wagon. Boris Karen ne semble pas paniquer. Visiblement, il laisse passer l'orage. Son adversaire principal, Six Class, est à côté de lui. Et tranquillement, Adam Piasca ramène le maillot jaune sur les fuyards. Willy Roseau est repris. Pas facile de se défaire du Guadabaque 118 et on revient à une situation désormais classique. Ferry-la-Coque sous l'appui, deuxième grosse difficulté de la journée. Attaque de Biras Bederbekov. Mais le Kazakh ne parvient pas à creuser un écart sérieux. Il reste à portée des hommes forts du peloton. Et voilà qu'arrive un bolide lancé à toute vitesse, sous l'appui, dans la descente, Boris Karen. Il prend tous les risques, même pas un regard pour le Kazakh. Et dans ce virage, Boris Karen passe, mais pas Bederbekov. Chut! Plus de peur que de mal, le Kazakh va repartir. Cela aurait pu être beaucoup plus dangereux. Entre-temps, Boris Karen est rejoint par Clark Six et Laurent Buret, le Suisse. Dans cette partie, ça monte ou ça descend. Pas de répit donc pour les coureurs. Laurent Buret en fait les frais, le Suisse est définitivement lâché. Et ensemble, Boris Karen et Clark Six effectueront les 15 derniers kilomètres. Boris Karen connaît désormais son adversaire principal. Clark Six remporte sa deuxième victoire d'étape sur le Tour. Boris Karen est deuxième. C'est une belle opération. Le Guadeloupéen écarte de la course au sac quelques adversaires sérieux.